Imagine, moi, Molière, à 48 ans. La pièce Le Banquet d'Auteuil, donc c'est tous les amis de Molière libertins qui se retrouvent à Auteuil pour faire un banquet. Et c'est une pièce qui réhabilite la passion amoureuse de Molière pour le jeune acteur Michel Baron. Michel Baron est de retour. L'amour, rien que cela. Il croit trouver plus de solidité dans le cœur de ce jeune homme, Michel Baron, et mal lui en prend, puisque le jeune homme en question va lui en faire baver des ronds de chapeau. Il ne te donne pas la peine de nier. Je vous ai vu échanger des baisers. N'essayez pas de tenir en laisse Michel Baron. Baron ! Baron ! N'insistez pas, messieurs, il ne vous dira rien. Il y a déjà un thème qui est politique, parce que ces gens sont obligés de vivre une double vie, ils sont tous libertins, tous plus ou moins homosexuels. Nous voilà forcés de déguiser nos amours en énigmes, de dissimuler nos mœurs. Et n'avez-vous pas peur d'exposer la tendresse que vous avez pour moi ? Mais cela est commode de ne plus avoir sa femme sur le dos. Mais il y a aussi une vision de la mort, mais c'est une vision de la mort qui n'est pas tellement lugubre, hein. Une vision de la mort baroque. Jamais nous ne trouverons si belle nuit. L'amitié est de l'eau. Plus propice à mourir.